Pour prendre conscience du surpoids de son animal, on évalue la quantité de masse grasse. Pour cela, on utilise une échelle de notes d'état corporel. Ces échelles existent en 5 ou en 9 points. On considère que l'animal est à poids optimal quand il a une note d'état corporel de 5 sur 9. Chaque fois que l'animal présentera un surpoids de 10%, cette note augmentera d'un point. Un chien ou un chat qui a un surpoids de 10% a donc une note d'état corporel de 6 sur 9. De la même manière, un animal qui présentera un surpoids de 30% de masse graisseuse aura une note d'état corporel de 8 sur 9. Pour connaître la note attribuée, on se base sur des observations cliniques. On va donc palper son animal au niveau du thorax pour ressentir la présence sous la peau, sous les mains, des côtes, plus ou moins palpables. Également, on observera si la taille est visible, plus ou moins. Au-delà de cette palpation physique, il y a d'autres signes qui permettent de prendre conscience du surpoids de son animal. En effet, si votre animal boite ou est essoufflé au moment d'une activité physique, ce sont des signes directs du surpoids.